l'hôtel ou une chambre de passe. Monsieur, embrasse-la. C'est mon mari avec une autre femme. Et ça va chauffer aujourd'hui là. Venez, venez. Ah bon, c'est qui celle-là? Donc comme ça tu me trompes. Ah, qui t'a dit ça? Vraiment, je suis étonné. Je te trompe comment? Chérie, toi aussi. Tu vois qu'on est assis ici à trois, non? Tu déconnes. On n'est pas assis à quatre pour dire coup, coup. On est deux hommes. Et parmi les deux hommes, il y a un qui est marié. Et c'est moi. Mon ami, il est célibataire. La fille est célibataire. Ce qui veut dire que c'est la copine de mon ami. Alors, je te trompe comment? C'est pas clair, cette affaire-là. Effectivement, c'est ma copine. Oui. Alors, je vous... C'est ta copine, non? Mais bien sûr que c'est ma copine. D'accord. Juste une preuve. Fais la calice. À quoi? Je tourne dans mon tête. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Non, j'ai trop mec. Voilà, faut toucher ses fesses. Ah, mais, toi aussi. Ne demande pas un truc indécent à un couple. C'est pas normal. Ouais, parce que dans ce pays, on parle trop. Hey, moi je veux juste une preuve. Faut la caresser. Yeah! Faut toucher ses seins. Regardez ce qui va se passer ici. Yeah! Yeah! Faut lui faire une bise. Ça c'est petit, on fait ça à la maison. Ah non, non, c'est pas comme ça. Vous êtes en couple, non? Bien sûr. Voilà, et les couples là, ils s'embrassent comme ça. Langue dans langue, bouche dans bouche. C'est tous. Non, jamais, c'est exagéré. Tu peux pas demander un truc aussi indécent à un couple, c'est pas possible. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Non, mais là, il y a un problème. On est dans un restaurant, un lieu public. Tout le monde nous regarde. Tu peux pas demander un coup de s'embrasser devant les gens? C'est pas clair, cette affaire-là. On est ni dans un hôtel ou une chambre de passe. Monsieur, embrasse-la. Madame, vous êtes qui pour demander à mon mec de m'embrasser? Ce qu'on fait dans la chambre, là, c'est pas devant vous qu'on le fera. Jamais. D'ailleurs, même, je me casse. Mais bébé, attends-moi s'il te plaît, on va rentrer ensemble, bébé. Tu as vu ce que tu as créé? Elle s'est fâchée avec son mec et elle est partie. Maintenant là, est-ce qu'elle va, elle va pardonner à son mec? Est-ce qu'elle va lui pardonner? Tu as créé de la zizanie dans un couple, pourquoi tu es comme ça même? Je suis désolée, en fait c'est la jalousie là-haut.